Salut, je m'appelle Noémie Fergan, je suis étudiante en première année du cycle ingénieur à Télécom Sud Paris. J'ai toujours été passionnée par le numérique et les nouvelles technologies, et c'est donc ce qui m'a menée ici, à Télécom Sud Paris, où on suit une formation qui va être plutôt axée réseau, intelligence artificielle et cybersécurité. Ce qui est génial ici, c'est qu'on est formé au numérique mais de manière responsable, car on sait qu'il a un impact sur l'environnement et nos sociétés, et c'est pour cela qu'on étudie des solutions qui permettent donc de limiter cet impact. En plus des super infrastructures auxquelles on a accès, il y a également donc un Fab Lab, dont je suis présidente d'ailleurs, et qui nous donne accès donc à plein de machines, comme une BNC, une imprimante laser, des imprimantes 3D et plein d'autres outils. Je fais également partie de INTECH, qui est l'asso de robotique, mais il existe encore d'autres assos techniques, comme MINET, qui est l'asso réseau. Ces espaces nous permettent vraiment d'expérimenter, de tester notre créativité pour développer pas mal de projets. Si tu es passionné par le numérique et les nouvelles technologies, Télécom Sud Paris est l'école faite pour toi. Maintenant, je passe le micro à la personne la mieux organisée. Merci pour le micro. Du coup, moi, je suis Mathis Papin. Je suis élève en première année à Télécom Sud Paris. Je fais partie de deux associations. Donc la première, c'est Promonotel, qui est l'association de promotion de l'école dans laquelle je suis trésorier. Et je fais aussi partie de Sprint, qui est la junior entreprise de l'école et dans laquelle je suis secrétaire général. Quand on arrive en école, on a vraiment l'opportunité de faire plein d'autres choses à travers les associations. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Si on aime l'art, on a des assos qui sont en rapport avec l'art. Si on veut faire du sport, on a l'opportunité. Et si on veut mener voilà, des projets assez grands, on a aussi cette opportunité-là. Et ça change vraiment des choses très théoriques qu'on faisait à l'époque en prépa. Et moi, je trouve ça super. En première année à Télécom Sud Paris, on a un module qui s'appelle le projet GATE. Donc GATE, c'est gestion et apprentissage du travail en équipe. Moi, j'étais chef de projet du GATE TEDx Télécom Sud Paris. Sur ce projet-là, je pense que ça m'a beaucoup apporté au niveau des soft skills, c'est-à-dire de bien savoir m'exprimer, par exemple, quand on fait une réunion, prévoir l'agenda du jour, essayer de rien laisser au hasard, toujours être préparé, d'anticiper tous les événements qui peuvent se passer. Ça m'a appris à être rigoureux et prévoyant. Je passe le micro à la personne la mieux calée en anglais. Thank you for the microphone. My name is Shreya Sarkar. I'm from Bangladesh. I'm an exchange student, an exchange between the Asian Institute of Technology Thailand and Telecom Sud Paris Department of Data Science and Network Intelligence, DANI. For the exchange program, the moment I saw the opportunity that it is in Telecom Sud Paris, I immediately grabbed it because Telecom Sud Paris is the top engineering university in France, and what better opportunity to explore my master's in rather than joining the Telecom Sud Paris. It's a very diverse school. I get to make a lot of friends, people from different culture, different background, different countries, different language, and I think it's a very good campus and the study, everything is so convenient. Another great aspect of Telecom Sud Paris is the accommodation. Telecom Sud Paris is equipped with great libraries and great laboratories. I can assure you about the libraries because I go there to study, and there are a lot of books, whether it's in French or in English. You can always find helpful books and study in the library. It is truly convenient. Moving on from the library, we also have a cafeteria that is very near the library. Imagine if you're studying and you're sleepy, you can always go down and grab a cup of cappuccino. The cappuccino in the cafeteria is super great, and I love it. Apart from the cafeteria, if you're more hungry, you can always access a restaurant that is also very close to the campus. Now, moving away from food, I will talk about the campus. The campus is super clean, super beautiful. There are a lot of facilities. I will now pass the mic to the most athletic student in the campus. Merci pour le micro. Je m'appelle Nicolas. Je suis en première année de l'école d'ingénieur à Télécom Sud Paris, dans le cursus général. Et moi, principalement, je fais du sport parce que ça m'aide à me détendre. Et avec toutes les infrastructures qu'on a sur le campus, c'est quand même bien d'en profiter. Donc l'école Télécom Sud Paris, c'est une école qui met quand même vachement en avant le sport. On peut pratiquer plein de sports, en allant du tennis à la muscu, en passant par le rugby, le kickboxing, la course, même de la pétanque si vous voulez. Et on a l'opportunité de choisir un sport et d'être noté dessus pendant tout le semestre. Et à la fin, on reçoit une note qui permet de remplacer des crédits d'autres matières si jamais on a des difficultés. Ils sont vraiment très très, très, très à fond derrière les jeunes qui veulent faire du sport. Et c'est vraiment super. Je passe maintenant le micro à la personne la plus calée en technologie. Merci à nouveau pour le micro. Comme vous l'avez vu, Télécom Sud Paris offre une multitude d'opportunités, peu importe vos projets ou vos ambitions. On se retrouve à la rentrée et je passe le micro aux futurs élèves de Télécom Sud Paris.